un boulot. Bonsoir. Tout d'abord, comment vous êtes-vous senti sur scène? Êtes-vous satisfait de votre spectacle? Oui, je me suis très bien senti sur scène et je suis très très satisfait du spectacle. Il y avait une très bonne ambiance, le public a semblé avoir apprécié. Donc c'était génial. Et comment vous trouvez les spectateurs Barény? Bon, ils étaient plutôt réceptifs. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de jouer devant des salles debout. Bon là c'est une salle assise donc c'est un petit peu plus calme. Mais ils ont bien participé, ils ont chanté, ils ont tapé dans les mains. Donc c'était vraiment super. Pour l'instant, tout se passe bien à Bahreïn. Comment vous trouvez le pays? Super belle, super. On est heureux d'être ici. On a vu un peu la ville ici et on est très content. Demain on va rester un jour plus, donc je suis sûr qu'on va voir les magnifiques les bâtiments et tout ça ici. C'est nickel. Et est-ce que Bahreïn c'est votre premier pays à visiter dans le Moyen-Orient ou est-ce que vous avez déjà fait des autres concerts? Non, pour nous, c'est la première fois ici, dans ce coin de la monde, donc on est très, très heureux d'être ici. Merci pour nous inviter. Quelle est votre prochaine étape du tournée? Bah là, pour cette année, l'étape au Bahreïn était la dernière de 2018. Parce que là, on a fait une grosse tournée sur trois continents. On est passé par le Cap-Vert, les Açores, la Malaisie, Bahreïn, l'Europe. Donc là, pour cette année 2018, c'est la fin. Jelly travaille sur un troisième album et puis là on travaille sur monter la tournée à partir du printemps 2019 et si possible on espère bien revenir dans la région si on nous réinvite. Un chanteur guénien, joueur du cora et du guitare et un compositeur, pouvez-vous en dire plus à nos téléspectateurs? Oui, déjà je me présente, je m'appelle Guil Moussa Kondé, je suis un chanteur, auteur, compositeur. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry. Quand votre passion pour la musique a-t-elle commencé? Vous savez, nous, moi je suis un griot. Un griot de père en fils. La transmission orale. Mon grand-père, mon père, ma mère, ils sont tous des musiciens. Dans ma famille, on ne fait que de la musique. Donc moi, Djeli, la kora, je l'ai appris en Gambia. La kora, il a 21 cordes. C'est là-bas que je fais l'étude de la kora. Et après, maintenant, après mes études, j'ai tourné dans toute l'Afrique de l'Ouest. Seul, avec ma kora et ma voix. Parce que ça, c'est notre culture. Un griot, en Afrique, c'est comme un baobab. Parce que c'est nous qui avons toute la tradition, toute la civilisation africaine, c'est nous qui avons gardé l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Après mes voyages, j'ai commencé à penser de passer mes messages. J'ai commencé à écrire. Parce que dans mon temps, dans ma génération, je suis le griot de ma génération. C'est pour cela qu'on me dit, on m'appelle le griot urbain. Parce que ma génération aujourd'hui, le monde actuel qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si on peut sauvegarder pour nos enfants, il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on soit dans le partage et dans l'amour. Mais aujourd'hui, dans ma génération, on entend que la guerre. Quelle route vous a conduit à être récompensé par l'UNESCO? Alors, l'UNESCO, c'était le premier festival de kora en Afrique de l'Ouest. Il est organisé par l'UNESCO en Guinée-Conakry. Toutes les joueurs du kora du monde se retrouvaient là-bas. C'était la première fois qu'on fait un festival de kora. En 89, c'est l'UNESCO qui m'a donné mon diplôme de kora. J'étais jeune, j'étais le plus jeune du groupe. Mais c'était joyeux.
Parlez-nous de votre participation à des concerts de soutien à des causes humanitaires telles que l'UNESCO, Musiciens sans frontières et le Secours populaire français. Voilà, c'est ça que j'ai en train de te dire. Ça veut dire que moi, je suis griot dans mon temps. Et dans mon temps, c'est la nation. C'est la famille. C'est sensibiliser, la sensibilisation de l'Afrique, d'amener les enfants à l'école, de me battre contre, je me bats contre le racisme, la guerre, la souffrance, le faim. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que le griot, il a sa place de parler, de dire, même si on ne peut pas, on ne peut pas faire un nouveau monde, mais si chacun fait un pas, peut-être on peut réussir d'aller dans les bonnes voies. Donc moi, c'est ma route. Je suis un musicien d'humanisme. Parce que je sais qu'aujourd'hui, nous, on va passer, il y a nos enfants qui vont venir. Donc il faut préparer l'avenir des enfants. Et ça ne peut pas se préparer avec la guerre, avec les missiles. Ça ne peut pas aller. Donc dans la vie où on vivait, dans ce monde-là où on vivait, il faut que ça soit un monde de l'amour, de la paix. C'est ça qu'on souhaite. Vous avez à la fois un esprit tribal et un esprit moderne. Comment pouvez-vous vous réconcilier ? Une fois que tu es devenu auteur-compositeur, ça veut dire que tu touches à tout. J'étais un griot pour le peuple, un griot traditionnel, mais en regardant ce qui se passe, ça me met à écrire. Donc il y a ces deux, il y a la tradition mélangée avec la moderne. Ça dépend des sensibilités, mes compositions. Ça peut être dans les mélodies arabes ou bien gitans, ou bien bambara, ou bien ça dépend que ce qui vient à l'instant. C'est ça qui est important. Et c'est ça aussi, ma musique, elle est mélangée. Elle est dans tous les sens. Elle est mélangée parce que c'est une couleur que tout le monde se sent là-dedans. Outre votre propre style musical, quel genre de musique préférez-vous ? Quel genre de musique que je préférais ? Oh, moi j'aime tout ce qui est bon. Moi j'aime toute la musique qui est bon, tout reggae, du pop, du tout. Une fois qu'une musique bonne, bien travaillée, moi j'aime bien. Que pensez-vous de la musique arabe ? Est-ce que nous vous verrons une fois composer pour une chanson en arabe ? Peut-être quand vous écoutez la mélodie, comme je ne sais pas parler arabe, ça va être un peu difficile pour moi. Il faut que je vienne à Bahreïn ici pour faire un stage de l'arabe. Vous pouvez chanter. Ah oui, j'adore beaucoup. J'adore beaucoup. Mon premier groupe, mon percussionniste, il était arabe. Il était arabe. Donc il y a toute cette influence-là. Moi, j'adore la mélodie parce que je suis talibé. Tu vois? Voilà, donc il y a tout ce l'accord de Coran et la sensibilité des voix, comme j'ai fait le corps coranique, donc il y a tout ça qui se mélange. Donc c'est vrai, quand je fais des concerts, et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui me disent, vous parlez arabe ? Et je dis, non, je ne parle pas arabe. Il a dit, vous ne parlez pas arabe. J'ai dit non, vous ne parlez pas. Je lis le Coran, mais je ne parle pas l'arabe. Que préparez-vous pour votre futur plan de carrière ? Alors là, j'ai en train de travailler sur mon troisième album, qui est un autre style aussi. Ça fait plus de 2 ans que je le travaille, parce que je voulais le faire en acoustique, plus proche des gens. Donc mon troisième album, à ce moment, c'est ça qui est, c'est en train de mijoter. Ma carrière,
il n'y a pas le fin, parce que je suis griot. Il n'y a pas un fin de carrière pour un griot. 2019, c'est l'album. L'album, sortie de l'album, tournée. Si Dieu nous bénit pour que le troisième album marche, peut-être vous nous reverrez ici. Je remercie toute cette population, l'accueil qu'on nous a accueilli et l'humain qu'on nous a donné. Et regarde avec les sourires ce qu'il nous a donné. Et ça restera dans mon cœur. Et merci beaucoup.